De vous retrouver pour cette rencontre bien particulière dans le cadre du Salon du Livre de l'Outaouais. Aujourd'hui, une rencontre, euh, je dis particulière parce que c'est son premier livre. Maxime Pendo-Jobin, maire de la ville de Gatineau, passé de la, de la ville pardon, à la cité pour la participation citoyenne. Donc, aujourd'hui, un entretien d'une heure avec M. le maire. Mais, M. le maire, bonjour. Bonjour. Mais aujourd'hui, j'ai le goût de m'adresser à l'auteur, à celui qui a pris la plume. Euh, vous dites dès le départ que vous vous êtes inspiré de, de votre thèse de maîtrise parce que vous avez fait une maîtrise en développement territorial à l'Université du Québec en Outaouais, à LUCO, et c'est ce qui vous aurait inspiré. Mais est-ce qu'il y a autre chose qui a allumé, qui a amené l'encre à couler de cette plume? Oui, oui. C'est-à-dire que moi, j'avais toujours euh, cette maîtrise-là à LUCO, pour moi, était centrale là, dans ma démarche là, parce que j'ai vraiment pu réfléchir beaucoup à la région. Je l'ai faite sur les liens entre l'Outaouais et euh, Ottawa. Euh, et une partie de, de, de cette maîtrise-là, c'était un peu l'histoire l'histoire des dernières années. Euh, puis j'avais le goût de mettre ça sur papier, mais le, le déclencheur le plus clair, net et précis s'appelle Yvon Leclerc. <laughs> C'est-à-dire que Yvon c'est un personnage en lui-même qui, euh, qui est venu me voir. Puis c'était un membre d'Action Gatineau, quelqu'un très impliqué dans le monde de la culture. Il a fait un doctorat sur euh, Saint-Roch à Québec, puis comment la ville a utilisé Saint-Roch, euh, a utilisé la culture pour revitaliser Saint-Roch. Puis euh, il participait à des activités, on est devenu des amis. Puis à un moment donné, il dit, tu fais des discours, tu fais des... il faut que tu mettes des choses par écrit. Il faut que tu publies ça, parce que c'est ça qui va faire que ces idées-là vont s'inscrire beaucoup plus dans la durée. Euh, fait que sans Yvon, le livre n'aurait pas vu le jour. Lui, c'est vraiment celui qui m'a dit, puis une partie de mon équipe disait, tu n'auras jamais le temps de faire ça, <laughs> ça se peut pas. Puis grâce à Yvon, on a réussi. Parce que c'est ça, j'avais cette question-là. Comment ça a été de prendre ce recul-là, dans la vie où tout est chronométré pour le maire de Gatineau, et il euh, y a du recul qui devait être pris, on révise, on revient, on se relie. Euh, C'était une période très intense, j'imagine. Oui, euh, ben, je l'ai fait beaucoup pendant mes vacances. Et souvent, je prenais une semaine de vacances, puis on, on allait dans un chalet, mon épouse euh, se, se prend du soleil, moi pendant ce temps-là j'écris. <laughs> puis euh, je suis assez discipliné. Là. Ça fait quand, quand ils vont m'envoyer des euh, moi, je faisais un bout, je l'envoyais à Yvon, il revisait, euh, il me l'envoyait. Par exemple, mon mémoire de maîtrise, c'est une de ses contributions à lui, c'est-à-dire qu'il l'a pris, il l'a résumé. Il m'a dit est-ce que ça correspond Et tu il sais, a enlevé les bouts plus théoriques. Enlever, puis, euh, ça fait que cet aller-retour-là m'a beaucoup aidé à être capable de me discipliner, me discipliner de dire OK, là, j'ai reçu 12 pages, là, il faut que je m'arrête puis que je, 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 je revise l'ensemble des pages. Il y, a une, il y a un été où il y a un chapitre il fallait que je l'écrive, Je l'avais dans la tête, puis je. fait que là, j'ai tout écrit ça. J'envoie ça à Yvon, Puis là, c'était un peu l'inverse. C'était lui qui, qui, qui revoyait ça. Au total, c'est un processus de combien de temps? Ah, au moins 18 mois, là. Peut-être deux ans. Là. Je ne me rappelle pas exactement, parce que ça a été assez long, là. Je dirais peut-être deux ans. Mais il y a des choses qui étaient déjà écrites. Il y a des textes que j'avais déjà faits. Il y a des discours qu'on a remaniés. Il y a des. Ça fait que ça. Mais c'est de la discipline. Là. C est, c est... Mais Moi, j'aime ça écrire, j'aime ça travailler. Là. Ça fait que quand j'avais des soirées, ça me, ça me faisait pas de peine de travailler là-dessus. Vous avez beaucoup de réflexions dans le livre. On voit beaucoup le, le fondement politique. Vous partez avec justement ce constat identitaire qu'il y a eu dans la région dans les années 70-80, où on vit à l'ombre de la Tour de la paix. Il manque d'identité, il manque de culture, il manque de fierté à cette région-là. Euh, vous, vous êtes natif de Buckingham, mais est-ce que ça a pris, euh, vous avez eu un déclic aussi pour dire, j'ai moi aussi cette fierté-là, ce, ce désir identitaire de, pour ma région? Oui, oui, moi, je dirais que j'ai grandi dans de la frustration beaucoup, là, en disant, on, on, on devrait rayonner plus, on est bon, on fait des belles affaires. Euh, on a eu des époques un peu moins glorieuses. T'sais, les gens ont toutes sortes de choses à reprocher. Certaines personnes ont des choses à reprocher à la fusion, mais une des choses que ça a réglé, c'est cinq villes qui, tirent à couverture chacun de leur côté, alors que là, on a une grande ville qui parle fort, qui est capable de parler d'égal à égal avec Ottawa, entre autres, qui est, qui est pas mal moins oublié par Québec puis, puis par Ottawa. Euh, ça fait que oui, l'enjeu de l'identité pour moi est central. Puis, souvent, on, on casse pas mal de sucre sur le dos justement de l'identité ou de la politique identitaire. Ça prend différentes, euh, différentes. Mais, mais c'est un des plus grands moteurs de, de, de la vie, l'identité. Quand, quand on est fier de nous, puis quand on on, on, on s'aime, en fait. On, on veut faire des choses. Puis ce qui compte pour l'être humain, euh, ce qui compte pour les, 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 les communautés, qui compte pour les nations, tu sais, c'est cette identité-là commune qui, qui mène à du, du désir de s'entraider. Quand ça va mal, on veut aider le voisin parce qu'il fait en quelque sorte partie de notre famille là, puis de, du groupe auquel on s'identifie. Puis ça, l'Outaouais, on a eu de la misère. Moi, je me rappelle, on voyait des mobilisations dans, 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 dans chaudière appalaches dans Haute-Saguenay, euh, dans toutes sortes de régions qui se levaient pour se défendre. Jamais on n'était capable de faire ça. Moi, je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, même la 50. Là, les bleus tiraient ses rouges, les rouges tiraient ses bleus. Puis alors que tout le monde la veut, la 50, là, on peut tous se battre pour l'avoir euh, ensemble? Puis je pense que ça, ça a changé. C'est pour ça que dans le livre, je parle de la laiterie. Puis. Tu sais, dans, 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 quand on écrit l'histoire un peu, il faut trouver un moment charnière, puis c'est toujours un peu périlleux là, parce qu'on aurait pu choisir une autre affaire. Mais, mais moi, il me semble que c'est la lettre. Ben, en fait, c'est Michel Filion qui avait dit ça, prof à l'UQO. Il dit ça, c'est la première fois, puis prof d'histoire. Il dit c'est la première fois moi, que je vois l'Outaouais se mobiliser de façon unanime pour sauver quelque chose. Puis ça marche, puis on se découche pas entre-temps, puis on force québec Patawa à nous écouter pis à nous aider. Euh, puis ça, moi, ça m'a donné un grand, grand, grand bonheur parce que. C'est comme si, avec la lettrerie, tout devenait possible. Là. Je me suis dit, OK, on est capable. C'est triste à dire, c'est revenir au vieux slogan, je pense que c'était l'aérienne qui disait « on est capable ». Mais c'est un peu comme si nous autres, on venait de le découvrir comme région, qu'on est, on est capable de faire quelque chose, de se mobiliser, puis de sauver une institution locale. Euh, ça, puis dans la laiterie, il y avait plusieurs raisons. Il y avait l'environnement, ça n'avait pas de bon sens d'aller produire, de, 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 de produire du lait ici, le faire transformer en Montérégie, puis le ramener, là, juste en camionnage, ça n'avait pas de sens. Au niveau environnemental, c'était absurde. C'était des emplois qu'on perdait, si on produit du lait, pourquoi on ne le transforme pas chez nous? Mais c'était aussi l'identité, on était écœurés. Quelques années avant, on avait perdu, perdu, je crois, l'encamp. D'animaux, on avait perdu une fromagerie, puis là, il n'y a que personne qui chiale, mais on ne fait rien comme région. L'identité, pour moi, il ne faut pas négliger ça. Là. Quand on dit qu'il faut être fier de soi-même, il faut faut pas être fier. Et quand on n'est pas fier, on peut être honteux. Là. Des fois, on fait des, on fait des choses qui ne sont pas belles, là. Mais, mais, mais cette identité-là fait qu'on se mobilise pour les corriger. C'est pour ça que moi, construire, notamment avec la culture, avec les arts, avec le livre, avec, avec même les arts visuels, construire l'identité locale, c'est essentiel. C'est un peu l'art pour l'art, mais c'est beaucoup l'art pour la communauté puis pour l'avenir. On reviendra dans un instant parce que là, je vous, on va rester dans cette période-là où. Comme je le disais, on vit à l'ombre de la Tour de la Paix parce qu'il y avait ce constat, ce, ce, beaucoup de discussions sur le district fédéral qui, en quelque sorte, noyait l'identité régionale. Est-ce que c'est un peu ça qui a amené, justement, le retard historique de l'Outaouais? Ces années où euh, on a dit pas besoin d'avoir ça ici parce qu'on l'a à Ottawa. Pas besoin de ce service parce qu'il l'a à l'autre bord de la rivière. Exactement. Je, je, moi, je ne l'ai pas mis dans le livre. Mais dans ma maîtrise, j'avais une citation de, je pense, c'était Fall-Parent qui disait ça. Tu pourquoi on aurait un hôpital où. C'était quelle institution, mais ils l'ont l'autre côté. Mais, si on regarde les universités, l'impact euh, des universités d'Ottawa sur le développement économique d'Ottawa est phénoménal. Ce n'est pas pour rien, nous autres, qu'on qu tire de la patte. C'est notamment parce que Lucas, pendant des années, a tiré de la patte. Là, on a, on a de la lumière au bout du tunnel. Là. Mais, euh, mais ce discours-là, j'ai toujours eu un malaise avec l'expression, même si je l'utilise parfois qu'on est oublié par Québec, par, par Ottawa, parce que c'est une partie de la vérité. L'autre partie, c'est qu'on s'oublie nous-mêmes. Mm -hmm. Je veux dire, si on se bat pas pour notre université, et euh, là, je dis pas ça parce que vous êtes là. <laughs> je, Ce ben, temps d'entente a été retenu et payé par le cours. C'est pas ça <laughs> du tout, mais quand même. Euh, si on se bat pas pour notre université, ben, c'est des cerveaux. Ah, il a, présentement, là, il y a 6 000 personnes de la région qui étudient mm -hmm. l'autre côté de la rivière parce qu'on n'a pas les programmes pour les accueillir. Ben, C'est pas juste la faute de Québec et d'Ottawa. C'est parce que nous autres, pendant des années, on ne l'a pas revendiqué, ça. On allait à l'Université d'Ottawa, c'était bien correct. D'ailleurs, <laughs> je suis allé. Ouais. <laughs> je fais mon bac là-bas, mais parce qu'on évolue et qu'on s'améliore, j'ai pu faire ma maîtrise ici euh, à, à l'UQO. Mais il y a une partie où on s'oubliait nous-mêmes. Ça, il faut qu'on le reconnaisse. Là. Cette reconnaissance-là, justement, en 2019, du gouvernement du Québec sur euh, le retard historique, est-ce que ça va vraiment changer tout? La vision d'avenir. Moi, j'étais à l'Assemblée nationale. Ouais. J'étais assis à côté d'Antoine Normand, à qui on doit beaucoup comme région. Là. Puis euh, les deux, on avait les larmes aux yeux. On se regardait. <laughs> T'es deux gars qui n'osent pas trop être émotifs. Puis euh, c'est un appui de principe. Mais peu de temps après, il annonce un nouvel hôpital. Euh, je le sais de source sûre qu'il y a des discussions très importantes sur les programmes cégep puis, puis université, j'espère qu'ils vont livrer. Là. Euh, on sent une volonté euh, claire du gouvernement d'agir. Puis le fait qu'ils reconnaissent formellement, puis c'est l'Assemblée nationale, hein, c'est tout le monde là, qui a dit, mmh. dans les champs de compétences du Québec, l'Outaouais a un retard euh, en culture, en éducation, puis en santé. Bien... Ça, c'est ils se mettent, le, comme on dit, hein, ils se mettent la responsabilité sur l'épaule. Euh, Puis ça, ils n'ont jamais fait ça. Avant, c'était y allant à la pièce, on fait une petite annonce, on le sait Parce bon, qu'il y a fait eu une mobilisation. Autres, on fait un autre. Oui, ça commençait à être pas mal plus dur de nous, euh, de nous euh, les écarter ou de dire, ben, vous avez un problème comme toutes les autres régions du Québec. Moi, quand le, quand Lacan qui était venu faire son conseil national euh, tout de suite après les élections. Je suis allé re... j'avais demandé de les rencontrer. Ils avaient dit oui. C'est la première fois qu'un parti qui venait de Utahouette disait oui. Les autres m'ont toujours dit non. Je voulais aller leur, leur dire, euh, nous, vous pensez que c'est un enjeu, euh, euh, régional. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que c'est un enjeu national. Tu sais, 6 000 cerveaux, là. C'est 6 000 Québécois qui sont de l'autre côté puis qui, qui reviennent pas. Je pense qu'il y en a 25 qui ont même pas le droit de travailler chez nous après. Euh, donc, c'est un enjeu pour tout le monde. Quand on dépense 110 millions par année en, en santé, de l'autre bord, bien, c'est 110 millions qui ne viennent pas d'un coffre du Québec. C'est un enjeu national. Puis, je pense que ça a fini par rentrer là, dans leur tête. Moi, j'étais vraiment, ce jour-là, j'en parle un petit peu dans le livre, là. ce jour-là, j'étais vraiment, vraiment très ému. Là. Je me disais, là, la porte n'est pas ouverte, il faut qu'on rentre dedans solide. Là. <laughs> on ne faut pas la laisser se refermer. <laughs> Dans le livre, vous dites que pour l'Outaouais, c'est une longue marche vers l'autonomie, qu'il faut avoir la coine dure pour faire de la politique. Avez-vous le sentiment d'avoir fait un bon bout de cette marche? Oui, mais je ne me l'attribuerai pas en tout. Juste à moi, c'est vraiment euh, la, la région. Tu sais, je suis un des outils, mais on était un paquet de monde. Là. Je, je Antoine Normand, je pourrais en nommer beaucoup d'autres qui ont, qui ont travaillé. Euh, à la, la mobilisation euh, qui, qui a été faite en enseignement supérieur avec l'Alliance pour la cause d'enseignement. C'était une mobilisation qu'on n'avait jamais vue, ça. Mm -hmm. Puis moi, je n'avais rien à faire là-dedans. Là. Euh, il y a, Ça prenait un catalyseur, un, une personne qui initie tout de même. Bien, puis un porte-parole, puis ouais. quelqu'un. Ça fait que quand je suis arrivé à la mairie, j'avais déjà une voix, mais elle était toute petite. J'avais une voix pas mal plus forte. Euh, mais euh, mais c'est vraiment l'Outaouais qui a changé. Je ne veux pas... Euh, c'est pas, pas, ce des faits, ce pas de la fausse humilité. C'est vraiment toute la région qui en santé. Il y a eu des mobilisations qui dépassaient largement le municipal. Là, puis la, 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 euh, je pense que la, la longue marche de l'Outaouais est, est loin d'être terminée, il faut qu'on le dise. Là. Mais, mais tous les indicateurs sont dans le bon sens. Ce, que, les, ce que à quoi vous faisiez référence, <coughs> il n'y a plus d'élite ici qui disent c'est correct qu'on l'a plus Personne ne dit ça. Là. ça fini, personne n'ose le dire. Peut-être qu'il y en a qui le pensent, mais, mais je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Euh, je pense qu'on a compris l'espèce d'erreur historique. Là. Euh, une faculté de génie, c'est extraordinaire ce que ça fait une ville. Mais oui. ben, nous, on n'en a pas. Mais ben, ça, il faut corriger ça. Il faut qu'on se donne des outils comme ça. La faculté de médecine, c'est un pas euh, en avant. Puis, euh, puis j'ai parlé du gouvernement actuel, mais ça, la faculté de médecine, c'est le gouvernement précédent. C'est qu'il y avait un mouvement qui commençait là aussi. Euh, puis ça, ben, ça... Je pense que c'est un, un moment charnière aussi, là. Ça, ça, ça change. C'est toute l'Outaouais qui a bougé dans le bon sens. Dans ce récit que vous faites, de, de, un peu chronologique aussi, l'importance du mouvement coopératif. Vous en avez parlé tout à l'heure avec euh, la laiterie euh, On voit l'importance que vous y accordez, mais c'est aussi ça où je me trompe, le modèle justement de passer de la ville à la cité, l'action citoyenne, cette mobilisation-là. Oui, moi je pense que ce principe-là s'applique à la ville, mais aussi à l'économie. Euh, la laiterie, sans les citoyens, on l'aurait jamais sauvée. Jamais. Euh, à un moment donné, je me suis retrouvé dans dans ça, ben, ça avait été un moment euh, euh, révélateur de la force des citoyens, parce qu'il y a, y a trois grands groupes au Québec qui ont des épiceries. Si tu rentres pas dans un des trois, là, le, le lait rentre pas dans les épiceries. Puis les trois, les petites laiteries, ça les fait pas euh, rêver. Ça fait que je me retrouve dans le bureau d'un des trois qui accepte de nous rencontrer. Puis, euh, notamment grâce aux épiciers locaux qui mettaient de la pression. Puis, euh. ça fait que j'arrive dans son bureau avec ma revue de presse, puis mes pétitions, puis tout, tout ce qu'on avait ramassé, là, le comité de relance. Puis là, je commence mon petit discours en disant tu sais, l'Outaouais, on veut. Puis ça, il m'arrête il, il dit Non, arrêtez Les petites lettreries, on a eu ça. Ça coûte cher, c'est fatigant, c'est compliqué. On fait moins d'argent. Si vous êtes ici, c'est parce que je l'ai vu votre jeu de presse, puis je sais que les gens vont en demander. C'est qu'on va se parler de prix maintenant. <laughs> c'était, c'était aussi brutal que ça là. Si les sites, moi, ce que j'avais là, c'était, je sais pas moi, 200 000 citoyens derrière moi là. Puis c'est ça qui fait. Qui avait pris un engagement à acheter du lait. Ah oui. Du lait local. Oui. Puis on avait fait comme une pétition de consommateurs. On était mmh. rendu à joindre 3,5 millions de litres de lait par semaine que les ouais. gens s'étaient engagés parce que c'était pas juste une signature moi je vous appuie vous êtes fin, là c'était voici notre famille combien de lait on va et euh... moi je voyais les chiffres monter sur notre site internet d'appui là, là. c'était avait pas de bon sens moi puis Patrick Duguay là, justement de la, la coopérative de développement régional là qui était le cœur de la relance euh, on regardait ça monter puis c'est grâce à ça que qu'on est rentré dans les épiceries là. C'est vraiment les citoyens. Si les citoyens veulent changer l'économie, s'ils se mobilisent, ils sont capables, comme ils sont capables de changer les villes. Pour moi, c'est un peu le même principe. Il faut que dans nos institutions, on donne de la force aux citoyens. Des fois, c'est plus compliqué, ça prend plus de temps, et on dit que la politique est dure. C'est plus dur sur un politicien, euh, c'est dur sur ses fonctionnaires. Euh, mais le résultat final est bien meilleur. C'est un passage, en tout cas, très intéressant dans le livre la naissance, la renaissance, finalement, de la de, de l'Outaouais. Vous faites aussi une distinction intéressante dans le livre parce qu'il euh, y a beaucoup de réflexions. Vous parlez de démocratie de représentation aux quatre ans et la démocratie de participation qui, elle, se fait tous les jours. Euh, vous replacez aussi euh, le rôle de l'échevin par rapport au conseiller, donc la nouvelle façon de voir les choses, d'être plus participatif. J'ai le goût de vous dire un peu, euh, est-ce qu'il y a encore trop d'échevins qui n'ont oui. pas vu le virage vers, euh, vers, vers ce mouvement-là? Oui, Gatineau, on est vraiment entre les deux, là. Puis pour que les gens comprennent, pour moi, la différence, là, puis je le dis vraiment en tout respect parce que c'est deux ouais. modèles qui, qui fonctionnent ou qui fonctionnaient. <laughs> euh, L'échevin, dans l'ancien municipal, c'est vraiment quelqu'un qui est connu dans sa communauté, impliqué dans toutes sortes d'affaires, puis qui veut aller mettre ses compétences personnelles au service d'une administration municipale. Donc, on va bien gérer on va s'assurer que les services municipaux sont donnés. Traditionnellement, c'est ça. Le conseiller municipale je vais donner deux exemples. Maud Marquis Bissonnette arrive en politique, elle est en train de finir, elle va le finir bientôt, un doctorat sur le rôle des villes en intégration des immigrants. On n'est plus dans les chevins, on est vraiment dans quelqu'un qui dit OK, la ville peut transformer la société de telle façon. C'est un vrai gouvernement de proximité, ce n'est pas vu comme une série de services municipaux qui doivent s'améliorer. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle fasse les deux. Mais. Celui-là est nécessaire, là, la, la vision est nécessaire. René Amio, c'est une femme qui, euh, qui a fait 33 ans dans le réseau de la santé, notamment en santé publique, qui arrive à la conclusion que si les villes n'ont pas des politiques d'aménagement qui favorisent les saines habitudes de vie, donc la marche, la, la, même, même là, le, le type d'économie qui, qui, qui met en place, là, où on a des produits locaux, on a, bien, elle a dit, si on veut améliorer la santé du monde, il faut que j'aille faire de la politique municipale. On est loin de l'échevin, là aussi. Puis je pourrais vous en donner d'autres, là, mais je donne, je... Puis on est entre les deux, Gatineau, là. On, on se voit encore comme une administration, alors qu'on devrait être un gouvernement de proximité. Puis moi, quand les gens vont comprendre qu'on est un vrai gouvernement, là, puis qu'on peut influencer la vie de toutes sortes de façons, puis on en a parlé tantôt, là, même, même influencer Québec, influencer Ottawa. Le taux de participation au vote va exploser. Là, on est à 39 parce que les gens ont dit à que c'est que qui est goût à se faire, pas besoin d'aller voter. Là. Euh, Maxime, il va faire ça, là, puis c'est correct. tu <laughs> Ou un autre va faire ça, c'est bien correct. Fait que ça n'a pas d'importance. Alors que c'est complètement. Est, en 2021, on n'est plus là, là. La ville est au cœur de tu ne peux pas lutter contre l'environnement pour l'environnement, contre la, la pauvreté, euh, pour l'économie sans les villes. Juste l'environnement, là, c'est. C'est la qualité de l'eau, c'est l'aménagement urbain, c'est l'étalement urbain, c'est les vidanges. Euh, en économie, c'est ici que ça se passe, l'économie. Ça fait qu'on a besoin d'être au fond. Puis, malheureusement, c'est une des raisons d'écrire le livre, c'est que ce n'est pas encore entré dans la tête des gens à quel point le municipal est. Je veux pas me chicaner contre les autres gouvernements, là, mais. Individuellement, c'est bien plus important d'aller voter pour le maire de Gatineau que pour un député. Si je, si je compare la force d'un député, puis, euh, alors qu'on fait l'inverse. Vous y allez dans l'action de proximité, justement, vous le décriviez bien. Et dans le, le passage, justement, sur Projet Gatineau, qui a donné naissance mmh. à Action Gatineau, vous le dites, la façon de faire maintenant, c'est davantage d'amorcer cette réflexion, réflexion citoyenne à laquelle les gens contribuent. Vous avez créé le parti, par la suite, vous avez pris la, la tête d'Action Gatineau. Euh, la démarche citoyenne, c'est votre modèle. Oui. Est-ce que ce modèle-là devrait s'étendre maintenant, d'avoir seulement des partis politiques? Vous, vous traitez d'Action Gatineau, bien sûr, dans votre livre, vous parlez de sa naissance et tout ça, mais est-ce que c'est le modèle d'avoir cette plateforme qu'on propose aux gens, qui est une réflexion citoyenne? Oui, je, je vais dire deux choses. D'abord, pour moi, les, en politique, là... Politique municipale, il y a toujours des partis. Il y en a des officiels, puis il y en a des pas officiels. Le dire qu'on n'aime pas tout ça, c'est du pipi de chat. Il y a tout le temps une gang autour du maire. La raison, là, c'est pour moi, l'enjeu, c'est de savoir pourquoi ils sont là. C'est quels intérêt ils défendent? C'est quoi leur programme collectif? Bien, quand il y a un parti, on le sait. On sait que c'est sept-là qui sont dans le parti, puis ça, c'est leur programme. Les autres, ils défendent quoi quand ils se collent sur le maire? C'est quoi leur. Les citoyens ne le savent pas. Alors qu'ils ont une, une différence politique. T'sais, moi, j'aime mieux un parti transparent qu'un parti occulte. Puis là, je ne fais pas référence à de la malhonnêteté. Là. Je fais référence à de la transparence politique purement. Ils veulent faire quoi, ce groupe-là, qui, qui dit n'importe quoi sauf Action Gatineau? Mais c'est quoi qu'ils veulent faire? Puis dans un vrai gouvernement, là, c est, c est, quand tu votes, il faut que tu saches pourquoi tu votes. Fait, ça, c'est mon premier. Moi, je trouve que le débat sur les partis est complètement. Euh, euh, déconnecté de la vraie réalité. Nommez-moi n'importe quel maire de Gatineau dans le passé ou des anciennes villes. Là, ils ont toujours eu une gang autour d'eux. Puis, puis moi, j'aime mieux des affaires transparentes. Mais c'est aussi, comme vous le dites, un, un outil de participation citoyenne. En fait, c'est d'abord et avant tout ça. Il y a un gars, j'oublie toujours son nom, là, mais il faudrait que je me rappelle. Euh, il est arrivé au, 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 au Congrès d'Action Gatineau, il dit, moi, là, je tripe ces abeilles. Là. Ça fait que je voudrais qu'on fasse un programme pour qu'on puisse avoir des abeilles urbaines. Puis l'autre, il y en avait un autre. En fait, c'était peut-être le même, là, mais il y en avait un autre qui disait :« Moi, je veux qu'on ait des poules urbaines. On puisse avoir des poules dans notre cour en arrière. » Ben, trois ans et demi, quatre ans après, quand on a eu un règlement, là, moi, je pensais à ces deux personnes-là, puis Action Gatineau, puis je me disais :« C'est ça de la vraie politique. C'est des gens qui se rassemblent ensemble, qui pensent, rêvent à leur ville, puis qui disent. » OK, moi je voudrais faire ça, on en débat, on se fait un cadre financier, l'argent ne pousse pas dans les armes, ça fait que nous on s'est fait un programme, un cadre financier, on arrive, on dépose ça, on fait un programme du conseil, puis ça se transforme en... Le gars, il y a des poules maintenant, C'est grand, ça. Le sourire parce qu'on en a vu des poules sur Facebook beaucoup. <laughs> <laughs> c'est un citoyen, c'est quelqu'un. Ouais. Puis là, des exemples comme ça, là j'en ai 13 à 12. Ans. Le tramway, là, là c'est euh, euh, le fils de Greg Fergus qui rentre à Action Gatineau, puis dit, il faut qu'on étudie la possibilité d'avoir un tramway. Je dis lui, mais il y avait Greg, il y avait beaucoup d'autres, mais c'est lui qui a formalisé la démarche. En 2013, on était en avant de la place des pionniers à Elmer, là, puis on promettait Action Gatineau, puis là, je, je, je perdais par 20% des sondages, je <laughs> n'avais pas, pas euh, beaucoup d'espoir. On promet de l'étudier parce que c'est gros, là, on change la, 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 la technologie, mais il nous avait convaincu que c'était peut-être pas une bonne affaire, l'autobus. Bien, si on, on est à, à ça, là, de faire financer un projet de 3 milliards à Gatineau, c'est parce qu'il y a des gens comme Ben qui se sont mobilisés il y a 6 euh, ans dans un outil de participation citoyenne qui s'appelle un parti puis qui a transformé la vision de Gatineau. Moi, je trouve que l'avenir est là. là. Tu nos, nos partis en général, là, aux autres niveaux, sont, sont comme assez loin du citoyen. Tu la rédaction d'un programme là, aux autres niveaux, c'est pas… Euh, ça ne se fait pas comme nous autres. Là, en tout cas, c'est pas vrai pour tous les partis. Il y en a qui sont plus ouverts que d'autres. Mais le municipal a quelque chose à, à apprendre aux autres. Puis, puis, puis moi, je pense qu'Action Gatineau, je ne sais pas ce que ça va être dans l'avenir, mais présentement, on est un, un vrai outil dynamique de participation citoyenne. Puis ça ne changera pas avant quelques années là, parce qu'on a des crainqués, on a des gens qui, qui tripent sur Gatineau, qui aiment ça, puis qui, qui pensent au programme depuis des mois. puis. Je suis sûr que notre prochain programme va contenir des, des éléments comme ça, qui dans trois quatre ans vont se retrouver euh, dans les pratiques de la ville. Puis ça c'est merveilleux. C'est pas dans le livre, mais vous êtes confiant pour la suite d'Action Gatineau pour ce rêve politique-là Oui, parce que dans la mesure où on va rester un parti qui est un outil de participation citoyenne, puis pas une machine à gagner des élections, là, parce que souvent au municipal c'est ça le défaut des partis, c'est un individu qui veut gagner à mairie il rassemble des puis, ça, ça a du bon dans la mesure où on sait, comme je disais tantôt, on sait qu'il fait partie de sa gang, là. mais ils ne portent pas toujours un programme. Ce ne sont pas tous des Projets Montréal ou ce pas tous des, euh, j'oublie le nom du parti de, 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 du mal à Québec. T'sais, ça des, ça fait partie des, 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 des grands partis citoyens de, de l'histoire municipale. Fait que moi, j'ai confiance parce que les, les gens voient l'utilité de plus en plus. Les gens voient qu'on est sérieux, qu'on réfléchit. T'sais, avant qu'on arrive, là, la direction générale de la ville n'avait jamais travaillé avec un programme complet des politiciens. C'est une des choses que j'essaie d'expliquer. C'est que dans l'ancien municipal, le programme est issu de l'administration, en fait. Alors que dans le nouveau municipal, le programme est issu des élus, qui est un changement gigantesque. Puis là, il y a des zones de gris. C'est sûr que quand le maire arrivait, euh, il avait euh, son programme sur deux pages avec la hausse de taxes et quelques projets. Nous, on arrive avec un projet, un programme épais comme ça sur tous les aspects de la vie dans la communauté. Là. Ça, c'est un, un changement profond. Puis je pense que ça, les, les, les Gatinois vont voir de plus en plus qu'un qu outil comme un parti permet aux citoyens, en fait, de contrôler vraiment leur ville. Parce que si tu n'as pas ça, la, la, le moteur, c'est l'administration. Ça a du bon, mais ce n'est pas les citoyens, c'est l'administration. Vous le mentionnez d'ailleurs dans le livre. L'équation d'une ville, ce n'est plus, bon, on a les permis de construction, plus de construction. Euh, donc, les taxes sont ajustées. Ce modèle-là, avant, c'était aussi euh, l'asphalte avant les livres. Oui. Tu sais, aujourd'hui, le principal diffuseur de culture en Outaouais, c'est la ville de Gatineau. Le principal diffuseur de sport et loisirs, c'est la ville de Gatineau. Euh, ceux qui font l'accueil des immigrants, c'est dans une large mesure. La ville, parce qu'ils n'arrivent pas au Québec ou au Canada, les immigrants. Ils arrivent dans un quartier. Bon ben, ils sont-tu -ils bien Ils ont-tu -ils accès aux services Y a-tu des chicanes de voisins C'est nous autres qui que ça sur les épaules. Puis on est content. Euh, fait que les villes ont changé assez radicalement. T'sais, le vivre ensemble, on parlait pas même de ça avant. Alors que là, si nous on s'en occupe pas, euh, c'est pas le ministre à Québec qui va s'en occuper. Il faut que ça atterrisse à quelque part. Puis euh, puis on est Équipé. On faisait référence au livre par la sphère. La, la fiscalité municipale, je pourrais en parler pendant des heures, c'est plate, <laughs> mais c'est central. Ça a parce... été un long, un long bout, ça, le, le 1 de TVQ. Là. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Il y a eu des gains, il y a eu des reculs. Je suis un enthousiasme modéré parce que je comprends qu'à Québec, ils commencent à comprendre, mais, euh, mais c'est loin d'être fini. Euh, Puis tu peux pas. T'sais, notre fiscalité, elle a été inventée il y a deux siècles, là, quand ils ont créé les villes. Donc, c'est la, la taxe foncière. Ça, c'est supposé financer aqueduc, égout, asphalte, puis un petit peu de bibliothèque avec ça. Là. Alors que nous, donc, c'est ce qu'on appelle du service à la propriété, essentiellement. Alors qu'aujourd'hui, la plus grande partie des services municipaux, c'est du service à la personne. Donc, c'est sport, loisirs, culture, c'est aussi euh, lutte à la solitude, gestion de crise. On ne va pas parler beaucoup des crises, là, mais. Gestion de crise, si la ville n'est pas là et n'est pas solide, mais ben moi, quand, quand on gère un tornade, inondation, tornade, COVID, on le fait avec de la taxe foncière, ça n'a pas de bon sens. On s'occupe du monde avec de l'argent où on serait supposé s'occuper d'asphalte. Si on ne change pas cette donnée-là fondamentale, les villes vont rester des espèces de Formule 1 dans, 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 dans lesquelles on ne met pas d'essence. Euh, Puis il y a une urgence de, de réforme de fiscalité. Moi, moi, quand on me parle de mon avenir, là, moi, mon, un, une des choses que j'aimerais faire, c'est contribuer à ça, la réforme des villes. S'il y a quelqu'un au Québec qui a le goût qu'on fasse ça, là, ben moi, je vais aller faire ça. Là. Puis là, je ne sais pas à quel titre là, parler. J'ai trop d'idées dans la tête, mais euh, ça peut être n'importe quoi, un fonctionnaire, une commission d'enquête, n'importe quoi. Là, mais moi, contribuer à ça, je suis sûr que le Québec fera un grand bond en avant, notamment dans le domaine de la culture. Parce que si les villes, qui n'ont pas toujours été des grands fans de culture avait les moyens d'agir, je pense qu'il en ferait pas mal plus. Vous, vous l'abordez, vous le définissez très bien dans, dans le livre. Vous n'avez abordé une, une bonne partie. Euh, la pensée politique, son articulation vers la cité. Parce que là, on parle, OK, il y a l'économie, ça c'est sûr, incontournable. L'environnement et, et la, euh, le social. Et ça, on ajoute la culture. Les services aux citoyens, c'est plus ce que c'était il, il y a 15 ans, il y a 10 ans. C'est vraiment tourné, vous l'avez mentionné tout à l'heure, que ce soit immigration, que ce soit... Des, ce sont des services de proximité. Donc, le rôle des villes change. Et, et vos rôles aussi en tant que conseiller, en tant qu'élu maire, tout ça change. Change profondément parce que, comme vous le dites, il faut que la pensée politique ou la pensée de la ville change. Quand, quand le, le type de service... Je vais donner l'exemple de l'itinérance. L'itinérance, l'outil de la ville pour s'occuper de l'itinérance, si je tourne les coins un peu ronds, là, ça reste essentiellement la police. Ce n'est pas le meilleur outil pour. Tu sais, si je veux dire, ils appliquent le règlement eux autres. Euh, Alors que quand il y a un enjeu d'itinérance, c'est mon téléphone qui sonne. C'est le téléphone du maire qui sonne. Quand, quand on a des gens qui sont dans la misère, euh, c'est mon téléphone qui sonne. Mais j'ai peu d'outils. D'une part, il faut, il faut se donner des outils comme la fiscalité, mais il faut aussi que, que les élus autour de la table aient une pensée. Là. L'itinérance, comment on, comment on gère ça? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre rôle? Mais c'est même quoi le rôle qu'on veut que les autres gouvernements jouent? Parce qu'il n'y a personne qui connaît mieux de Gatineau que les élus de Gatineau. Euh, et, et, et ça, c'est de la réflexion. Je vais revenir à Mme là parce que c'est un, un dossier qu'elle connaît très bien. Avoir le type d'expérience qu'elle a, de connaissance du réseau de la santé, de connaissance de la ville, ça vaut cher pour des gens qui ont de la misère parce que. Elle est capable de dire, OK, la ville pourrait faire ça, le, le réseau peut faire ça, puis il faut qu'on y aille, puis nous, on, si on fonce là, on va régler le problème. Bien, un échevin traditionnel n'a pas, pas cette pensée politique-là. Euh, son approche, c'est plus d'aller accompagner les fonctionnaires dans la gestion de services de base. Euh, puis ça, c'est urgent. Puis je reviens à la. Tu moi quand Joseph là, qui est un itinérant est décédé dans un cabanon là moi là, j'ai encore des, des... c'est inacceptable là, t'sais, ça ça a pas de sens ben c'est mon téléphone qui sonne moi je le connais le ministre le connaît pas moi l'ai rencontré puis tu sais on pas un ami mais il m'appelle Maxime il l'appelle Joseph puis je sais que c'est un tripeux puis c'était vraiment un personnage gars là. Ben, il est mort dans un cabanon là, dans une ville riche d'une province riche d'un pays riche tu ça ça a pas de sens bon ben si on veut agir pour pas que ça se reproduise, des choses comme ça, la ville a une responsabilité de penser ça, l'itinérance, puis de savoir où. Alors qu'il y a quelques années, en gros, notre réponse c était c'est à Québec. On ne pas avec ça, on n'a pas d'argent pour ça, puis c'est à Québec. Vous évoquez d'ailleurs que Gatineau, c'est une des villes les plus éduquées, riches. Donc, ça amène à réfléchir justement sur l'itinérance, sur les moins bien nantis. Oui, puis... Euh, ça fait partie de votre mandat. Qu'on euh, qu le veuille ou non, d'une part. D'autre part, au sens strict, oui, là, avec les fusions, ils on nous ont donné un, un mandat, <coughs> sans nous donner d'argent, mais de développement social. Là. Euh, puis, euh, ça fait que ça fait partie de notre mandat. Moi, je trouve que notre richesse, puis le, le fait que les villes jouent un rôle important, nous donne même, j'en parle brièvement dans le livre, là, nous donne même une responsabilité internationale. Tu sais, de, dans, dans, dans les villes du monde, là, on est une ville riche. Est-ce qu'on peut créer des liens avec des villes qui ont moins de ressources, les accompagner? Les... Bon, mon père a fait ça une grande partie de sa vie, là, de la coopération internationale municipale. Puis, euh, il puis, n'y euh, a rien qui me donne un exemple. Je pense que à Ouagadougou. Là. Mon père, lui, est... C'est pas un théoricien, c'est un praticien, puis il a une relation difficile avec les théoriciens. Il ne faut pas que les profs Lucaux écoutent trop ce que je vais dire, mais <laughs> lui, lui, il est plus dans la pratique. Ça fait il avait pris des, des gens qui géraient les déchets à Montréal, puis je suis pas sûr que c'est Ouagadougou, puis ils avaient fait rencontrer les gens qui géraient la gestion des déchets à Ouagadougou. Puis ils voulaient essentiellement des gros camions. <laughs> Comme on a pour faire ça, parce que c'est plus. Puis là, des ils ont, ils ont, les praticiens ont parlé ensemble. Là. Vraiment, les, 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 les gens qui, qui devaient monter le programme, puis qui étaient, avaient des deux mains dedans, chacun dans leur ville. Résultat final, si je ne m'abuse, ça a été des charrettes tirées par des bœufs, parce que c'était une technologie où ils étaient capables de faire tout le cycle d'entretien. Puis là, je, je tourne les coins un peu ronds. Tu sais, c'est un peu grossier comme exemple. Mais c'était essentiellement ça. C'était parce que les praticiens se parlaient. Le, le, le ministre, lui, a bien le goût d'avoir un gros camion, là, parce que c'est impressionnant quand ça, mmh. il n'est pas capable de le réparer, puis il y a ci, puis il y a ça. Il y a une, il y a des... Alors que les praticiens sont arrivés à quelque chose qui améliorait l'hygiène dans la ville, puis qui était durable, puis qu'à un moment donné, ça va mener à des camions. -à, à un moment donné, ça, on va faire les étapes, on va arriver à des camions. La première étape, c'est une technologie locale. Bien, moi, je pense que la, une ville riche comme nous, dans un, dans un pays riche, a une responsabilité de faire ce genre d'accompagnement. Puis Gatineau, ça, c'est une des choses que je n'ai pas vraiment faites. On a fait un premier pas à l'international, mais il faut en faire pas mal d'autres parce qu'on a une responsabilité aussi face aux autres. Développement des villes, euh, il y a aussi euh, la complexité de la concurrence que vous abordez euh, dans le livre. Comment être une ville attrayante avec toute l'offre nécessaire pour attirer? Parce qu'un gros morceau, c'est l'économie, c'est de diversifier l'économie, parce qu'on a été pendant plusieurs années une ville, bon, pâte et papier, le, le bois, puis surtout la fonction publique. Le défi d'être attrayant, ça se gère comment dans, dans une municipalité, puis comment on, on le met en œuvre? C'est un, un grand, grand défi, puis c'est un autre bel exemple du rôle des villes en économie. Si, comme là, présentement, il se passe plein d'affaires à Gatineau, là, on vient d'avoir une... une, 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 une une annonce de 320 emplois pour, pour, dans le domaine des satellites. Hier, c'était une annonce en cybersécurité. Bien, ça, c'est tous des jobs de haut niveau. Bien, pour attirer des cerveaux, là, on les attire avec quoi On les attire avec des parcs, des espaces verts, du plein air urbain. On est des champions de plein air urbain, à Gatineau. il faut le dire, le redire, le re redire. C'est ça qui les attire. C'est une des choses dont, dont je parle dans le livre. C'est des théories On le tour des, des cinq anciennes municipalités. Tout le monde a quand même son projet vert, son, son espace. Oui, puis c'est ça qui fait que ça attire du monde. Là, à Buckingham, là, avec, avec les Renards Blancs, puis le, le projet de Chamboisé, qui est à l'Ange Gardien, en fait, là, avec qui on a un bon partenariat. Juste ça, là, ça donne accès à 17 kilomètres de rivière, je pense, et 20 kilomètres de, de, pour du ski de fond, des sentiers à longueur d'année. On a ça là, on a la forêt bouchée, on a, on a des atouts extraordinaires. Euh, et donc, si le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral veulent investir en cybersécurité, il faut que les gens aient le goût de venir à Gatineau. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend de la culture, ça prend des activités de loisirs, ça prend du plein air urbain. Donc, la ville a un rôle pour se rendre attrayante. Puis, si ça, c'est déconnecté de ce que les autres gouvernements font, ben souvent c'est des entreprises qui arrivent pour des subventions puis qui repartent quand la subvention est, est finie alors que s'ils arrive puis les employés euh, sont heureux chez nous parce que c'est beau parce que c'est vert parce qu'on est dynamique parce qu'on a une identité dont, à laquelle ils peuvent s'identifier puis être fiers ben ça change la donne complètement là, si la ville joue son rôle puis si moi je, je quand, hier là, pour une entrevue je faisais la liste de tous les investissements qu'on a eu public et privé des dernière euh, 18 mois, là. puis c'est assez extraordinaire. L'avenir est pas mal à Gatineau. Là. Ça ira jamais mal économiquement à Gatineau. Là. Parce que le public investit massivement, puis le privé commence à investir massivement. Bien, je pense que c'est beaucoup parce qu'on est une belle ville, intéressante, attirante, puis dynamique. Puis c'est là où je reviens à la culture. Il faut investir dans la culture parce que les. Il y a des terroristes comme Richard Florida qui l'ont bien expliqué. C'est la, la, la classe créatrice, là, les gens qui, qui justement font vivre des entreprises en haute technologie comme la cyber sécurité, <laughs> ce qu'ils viennent chercher dans, dans une ville, c'est pas une rue euh, lisse 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 avec euh, de l'asphalte euh, impeccable. C'est des activités culturelles, c'est une université pour les enfants, c'est des bonnes écoles, c'est des écoles qui sont belles avec un environnement beau. Ben ça, il y a une part de la ville là dedans. Non? On a parlé de beaucoup de transformations au fil de ces années-là dans votre livre. Vous avez parlé de transformations importantes. Il y a aussi la rencontre des politiciens avec l'administration municipale. Quand la politique rencontre le politique, je vous vois sourire, euh, est-ce que ça a été une période difficile? Est-ce que c'est encore en adaptation? Est-ce qu'il y a des, 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 des fois des, des, des étincelles? Est-ce que c'est est dur d'amener des changements profonds comme ça dans une administration, une grande administration? C'est sûr. <coughs> euh, oui, c'est difficile pour toutes sortes de raisons. <coughs> D'abord, passer de ville à cité, c'est faire entrer les citoyens dans la machine. Donc, puis pas juste aux quatre ans, continuellement. Ça fait. Faut. Je vais donner un exemple. Nous, on a un processus administratif qui dit qu'on qu déleste les, ce qu'on appelle des terrains excédentaires ou des biens excédentaires. <coughs> Ça fait qu'une forêt euh, à Elmer qui s'appelle la forêt des chênes. Nous, c'est excédentaire. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on a consulté l'ensemble des, 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 des services municipaux, puis pour eux, là, infrastructure, loisirs, etc., ils n'en ont pas de besoin. T'sais, ils ne voient pas dans nos plans directeurs que ce terrain-là a un rôle quelconque à jouer. Il est le long d'un artère euh, où il y a du transport en commun. Tout ça, c'est logique de, 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 le, de le développer. Ça fait que nous, on le met en avant. Euh, Et là, ça explose, là. Parce qu'on reçoit la brique, c'est des biologistes, des archéologues, <laughs> ça fait pas de bon sens. Là. Des citoyens là, équipés pour veiller tard là, qui, qui, qui ont des compétences, qui, ont des, qui nous disent Wow, 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 vous avez complètement sous-estimé l'importance stratégique de cette, cette forêt-là, du point de vue du bien commun, là, de, du fait qu'il y a une cest à des chaînes, puis c'est une des rares, sinon la seule chênaie qui reste. Fait que ça, c'est quand même un peu intéressant de préserver ces chaînes-là. Puis nous, notre raisonnement, c'était, euh, s'il y a des choses de valeur, de toute façon, le futur propriétaire va devoir respecter la loi. Puis va, c'est pas comme si on la détruisait en la vendant. L'archéologie a des... La, 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 la loi protège les sites comme ça, à, en tout ou en partie. fait que nous, on, 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 on a fait une décision administrative qui se défendait complètement. Mais l'apport des citoyens fait que ça brasse le fonctionnaire parce qu'on se fait dire, il y a plein d'affaires, vous n'avez pas regardé, ça n'êtes pas bon. Ça brasse le politicien parce qu'on dit là, « Monsieur le maire, vous dites que vous êtes bien pour l'environnement, mais vous, vous mettez à risque un bien extraordinaire. » Faire entrer le citoyen dans la cité, ça prend une bonne dose d'humilité du, 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 de l'élu et des fonctionnaires. Ces experts-là à l'extérieur qui ont porté un jugement sur le terrain, avaient bien plus de temps à, à, à investir dans le projet que les fonctionnaires. Les fonctionnaires, il y a une pile grosse comme ça, on suit notre protocole, puis on passe au prochain appel, là, parce qu'on est une ville en croissance. Puis, alors que là, il y a des archéologues qui sont allés marcher le terrain, des biologistes, des écologistes, toutes sortes d'experts. Bien, on peut les voir comme une menace, puis on peut les voir, tu ils nous dérangent, puis ils remettent en question notre jugement, mais on peut aussi les voir comme un atout extraordinaire, Gatineau, là, parce qu'on a préservé quelque chose. Là, on n'a pas d'argent pour le mettre en valeur. Ça sera une autre bataille. Mais au moins, on, on, on préserve, on le garde dans nos, dans, 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 dans nos biens collectifs. Ça fait que c'est dur pour l'administration, ce genre de relation-là. Parce que normalement, tu fais un projet, tu vas en consultation, tu améliores le projet, tu le fais. Mais il faut que le citoyen soit là un peu partout. Il faut que la consultation arrive à temps pour qu'on puisse le changer. Alors que souvent, la consultation arrive, puis. Euh, Comment ça va être dur de changer le projet parce qu'on est avancé loin dans notre, dans notre raisonnement? Puis c'est de plus en plus agressant pour nous de changer le projet parce que ça fait deux ans qu'on travaille là-dessus. Ça fait qu'on a moins le goût, même. même. C'est aussi une autre façon de penser les processus municipaux. Puis ça, bien, il y a un choc entre le, le, le politique et puis l'administration. Puis, puis je dirais le politique et le politique. Parce qu'il y a aussi une culture qui dit, bon, on est payé pour prendre des décisions. Ça, on prend la décision, puis les citoyens, ils vont tromper quelqu'un d'autre la prochaine fois. Ça se défend, mais pour moi, ça n'a pas d'avenir. Je reviens à Gatineau. Tu sais, on a la population la plus instruite dans toutes les grandes villes canadiennes. Oui. On est informé d'une façon spectaculaire avec les médias traditionnels, avec les médias sociaux. Pas toujours de la bonne information, mais c'est souvent de la bonne. On est capable de se parler rapidement là, quand, quand l'affaire de la forêt des chênes a, a été déclenchée. Je pense qu'on vote la vente à l'exécutif le mercredi, puis quelques jours après, le feu est prêt à Gatineau. On avait des centaines de gens qui, qui se mobilisaient, Ben, c'est parce qu'ils sont informés, ils ont des contacts entre eux. Ils ont des... Puis là, j'ai pris cet exemple-là. Il y en a beaucoup à Gatineau, des cas comme ça où, où ils ont enrichi énormément le, ce qu'on qu voulait faire, puis nos plans, puis notre. Fait, il y a le choc avec la structure administrative est grand. Puis la solution n'est pas simple. Parce que, après ça, j'arrête, c'est une longue réponse, mais c'est aussi que les citoyens ne sont pas toujours d'accord. Là, là, il y a une grande, il y a un grand débat sur euh, l'utilisation du BTI, là, qui est un. Qui, 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 on, est, on fait de l'épandage pour. Bon, mais il y a des citoyens qui disent Moi, ma qualité de vie elle s'effondre, si vous, vous arrêtez de faire l'épandage. D'autres qui disent Vous étrusez l'environnement Ça fait que écoutez les citoyens, lesquels? Celui-là ou ceux-là? Pour l'administration et pour les politiciens, la participation citoyenne, ce n'est pas toujours évident parce que les citoyens sont loin d'être toujours dans le même camp. C'est la diversité des idées. Parce que là, il y a une question de santé et il y a une question de bon style de vie aussi. C'est le confort. Mais pour revenir à l'administration municipale, vous l'avez vécu pendant 12 ans. Est-ce qu'il y a eu une évolution pendant ces 12 années-là? Est-ce que ça a été une question, parce qu'on voit dans le livre un peu, mais est-ce qu'il y a eu de l'usure? Est-ce que ça c'est difficile? Ah oui, oui, c'est difficile parce que... Il faut que, comme on a fait un, un enjeu, une réforme qu'on qu a appelée la gouvernance, là, pour que les élus prennent plus de place. Parce qu'on parle des citoyens, là, mais même les élus, souvent, ils arrivent dans le, dans le portrait tard. Puis là, on nous dit, bien là, euh, pensez que ce n'est pas bon, mais il est trop tard de changer d'idée. Ça, moi, c'est à peu près la fin que je déteste le plus, que comment? Parce que. De temps en temps, on votait contre pareil. Tu sais, on disait il est trop tard, mais on le fait pareil parce que vous auriez dû nous consulter. Ça, il y a une évolution importante, mais qui est loin d'être finie. Moi, je pense que sur papier, la, la, la gouvernance et la place des élus, elle, elle a avancé beaucoup, mais dans la pratique, il y a encore de l'administration de, de l'administration, il y a d'amélioration à faire. Parce que ça change beaucoup de choses. Tu sais. Puis, à la défense des processus administratifs, souvent, nous, on dit une chose pour son contraire. On dit il faut que vous ayez le plus vite possible. Mais il faut que vous consultiez tout le monde, dont nous autres tout le temps. C'est dur d'aller vite quand tu es tout le temps en train de. de, de... Le vite est bien, pas toujours. Euh... Non. Fait que la, la... Il y a eu une grande, grande amélioration, mais il reste pas mal de chemin à faire. Puis pour que les citoyens eux-mêmes puissent entrer dans la ville autant que, que ce que je voudrais, bien, il faut que les élus soient entrés assez profondément dans la ville avant. Là. Parce que. C'est un tango. Là. Quand, quand on est face à un citoyen, ce n'est pas le fonctionnaire qui dit au citoyen, t'as tort, c'est le politicien, ou t'as raison, ou on va le faire, on va le faire. Le fonctionnaire, lui, il, il, en théorie, il suit les ordres. Là, il dit, mais -moi, il applique un cadre, je vais le dire comme ça. Là. Euh, ça fait que ça, c'est un exercice d'apprentissage qui n'est pas fini. De s'apprivoiser. Oui. Justement, dans cet échange-là, est-ce que vous avez trouvé ça difficile, parce que vous avez fait 12 ans là, euh, euh, conseiller et ensuite maire, euh, de un, vous vous êtes fait quand même, j'utilise le terme, pistonner sur le fait d'avoir un parti politique. Il y a eu quand même beaucoup d'intensité sur justement le parti politique. Le parti politique a été attaqué euh, et les médias sociaux. Cet ensemble de facteurs là qui visaient Action Gatineau et son chef. Comment vous l'avez vécu Ben, moi quand on me demande des conseils. Quand des gens veulent se présenter en politique, mon premier, c'est il faut que tu saches pourquoi tu es là. T'sais, quand le vent souffle et tu es dans tempête, il <coughs> faut que tu sois convaincu que ce que tu es, es venu faire, c'est la bonne affaire pour Gatineau. Puis si tout le monde, si personne n'est d'accord, si toi tu es convaincu, il faut que tu te battes pareil. Là. À la fin, ça sera les, 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 le conseil ou les citoyens qui décideront, mais. Ça fait que les attaques contre Action Gatineau ne m'ont jamais. Euh... Moi, jamais convaincu, je me trompais. Je vais le dire comme ça. Moi, je suis convaincu. Tu sais, en politique, là, par définition, ce que tu veux, c'est un rassemblement de gens qui prennent le pouvoir pour aller changer quelque chose de précis. Euh, de dire qu'on est contre le rassemblement de gens, c'est souvent, les indépendants, ce qu'ils n'aiment pas, c'est le rapport de force. Aïe, on est sept au conseil. Ça nous en prend trois, on est à dix. C'est que, que ça, le raisonnement. Mais si on est sept et fait l'affaire avec laquelle vous êtes d'accord, votez pour. Le... Chalez-moi pas avec le L'objectif, c'est Gatineau, vas-tu dans le bon sens? C'est pas qui a le pouvoir. Euh, il y a des gens qui sont comme obsédés par ça. Ça ne m'a ça, ça pas ébranlé tellement, mais il y, y a un 35 des gens là, dans tous les sondages depuis 10 ans là, qui, qui rejettent les partis politiques à Gatineau. Mon opinion personnelle, j'espère qu'ils ne se choqueront pas trop, là, mais c'est qu'en fait, ce qu'ils rejettent, c'est la politique. C est, c est, le parti politique aujourd'hui, c'est le plus mal-aimé. Pour des mots de bonne raison, si je peux m'exprimer ainsi, là, de la politique en général, parce qu'on voit des lignes de parti extrêmement strictes, c'est le chef qui décide tout. Le, souvent, le parti politique incarne ce qui est antidémocratique. Mais ça, c'est un côté de la médaille. Là, nous autres, là, on, on vote pas toujours pareil. Moi, quand je fais une promesse, je veux la tenir. Ça fait sur le programme Action Gatineau, on, on, on va tous voter dans le même sens, sinon on n'est pas dans la même famille. Là. Si vous êtes contre le tramway, ben, allez travailler avec d'autres mondes, là, parce que nous autres, on veut ça. Là. Ouais, vous le mentionnez bien dans le livre qu'il y a des choses que les, les gens sont laissés à eux-mêmes, qu'ils ont le droit de s'exprimer, en fait. Sur la plus grande partie du conseil, des, des, un conseil municipal, c'est assez rare, en fait, qu'on a des choses qui sont directement reliées au programme. À un moment donné, je me rappelle, on avait eu un débat absolument ésotérique sur la place des véhicules récréatifs en, en face. Oui, des... le stationnement. Hey, on a eu un caucus complètement explosif où tout le monde, on était séparés, c'était deux contre trois, je pense. En fait, c'était deux contre deux parce que moi, j'étais le cinquième. Puis là, il dit « OK, là, Maxime, euh, j'ai dit, écoutez, c'est pas dans le programme. Moi, j'ai aucune idée de quoi penser de ça. Là. Je vous essayez de me convaincre là, parce que moi, je. je... Puis on n'a pas à voter ensemble. C'est pas dans notre programme. Fait que pour le chef, c'est vraiment le fun qu'il n'y ait pas une discipline de parti trop stricte parce que tu es tout le temps en train de trancher sur des, des cossins, des petites choses. Euh, donc, nous, on a réussi, je pense, à. À faire une réforme de ce que c'est un parti politique dont les autres devraient s'inspirer à Québec et à Ottawa. Donc, sur ce qu'on promet au monde, on se tient. Le reste, ben, on ne sait pas ce qui, ce qui s'en vient, les enjeux. Euh, puis ça, je trouve que c'est sain parce que euh, hey, moi, je me rappelle au deuxième conseil où à peu près Mme Marquis Bussonnel avait voté contre moi, puis avait argumenté contre moi. <laughs> je me disais, là, je veux-tu vraiment ça? Moi, c'est mon deuxième conseil avec elle autour de la table. Ben je trouve que c'est ça qui est sain en, en démocratie. Elle a pu s'exprimer. Elle a heureusement perdu son vote. Puis, euh, on a avancé ensemble, mais moi, je ne me sens pas attaqué personnellement. Elle a pu s'exprimer. Elle... Je trouve que c'est ça l'avenir des partis. Mais si on ne se tient pas sur ce qu'on a promis au monde, ou si on ne sait pas pas pantoute collectivement ce qu'ils vont faire, comme dans le cas des indépendants, un rassemblement d'indépendants. J'arrête là-dessus après parce que les partis, ça. Une élection, là, ça sert à choisir c'est quoi le programme. C'est qu où on veut aller comme citoyen, puis on dit OK, lui, là, genre euh, Maxime, Action Gatineau, ils s'en vont par là. L'autre, l'indépendant, le maire a son programme, mais toutes les autres vont-tu l'appuyer? Dans le vieux municipal, en gros, c'était ça. Quand le maire est élu, là, on fait pas mal ce que le maire veut parce qu'il est le seul qui a un mandat, grande ville. Là, on se trouve devant des indépendants qui veulent le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'ils votent, on, si c'est un indépendant, dans tous les cas, ils vont voter comme ils veulent. Bien, ça ne marche pas, ça, parce que le maire est le seul qui a un mandat grande ville. Ça fait que théoriquement, c'est à la marge que tu fais des votes contre le maire. Là. Mais essentiellement, son programme, c'est le seul qui a eu un mandat. Là, ce qu'ils disent, c'est non, non, on est 19, on est tout égaux. Le, le vote du maire a le même poids. Que, mais ça ne marche pas, ça. C'est pour ça que les partis corrigent ça. Donc, le maire est élu, mais il a la capacité de l'adapter, son programme. Sinon, on fait comme nous autres on fait. Le maire est élu, après ça, on se donne un programme du conseil après l'élection. Ben voyons donc, l'élection sert à adopter un programme. Il y a, il y a quelque chose de vicieux. C'est pour ça qu'on est entre deux à Gatineau. Là. Puis moi, j'aime mieux des partis nouveaux genre comme nous, qui règlent les problèmes des anciens partis, euh, plutôt que l'ancien système où le citoyen s'est... En fait, c'est pas vraiment pourquoi il vote. Allons-y sur quelque chose euh, que, vous, que vous dont vous parlez beaucoup d'un couvert à l'autre presque, c'est sur euh, justement cette implication citoyenne là. Puis euh, on a vécu évidemment la Covid, qui nous a appris aussi euh, bon l'importance de la proximité, d'encourager. Alors est-ce que cette période malheureuse nous fait en sorte de voir quelque chose qui, qui est favorable à ce rapprochement-là, à cette implication citoyenne, à s'occuper des gens dans, dans notre proximité. Oui, parce que je vais te donner... Au début de la COVID, là, le premier printemps qui a été dur, là, qui est, qui est, au début, début, là, où le, vraiment le confinement complet, là, ça a été dur en particulier pour les aînés. un moment donné, moi, je me mets sur le téléphone puis j'appelle, je ne sais pas combien je n'ai appelé, mais des dizaines... D'associations d'aînés, clubs d'âge d'or, etc., et d'associations de quartiers, pour dire, dites-moi ce qui se passe chez vous. Là. Parce qu'on ne le sait pas, tout le monde est dans sa maison. T'sais, quand quand c'est des inondations, c'est assez facile d'aller sur le terrain. Le terrain, c'est mm. l'endroit où il y a de l'eau et du monde dans la misère. La COVID, il est où le terrain? Je suis dans ma maison moi-même. <laughs> je ne parle pas au monde. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma ville. Fait que J'ai fait ces téléphones-là. Puis, la Covid nous apprend que si les associations locales, notamment les associations de quartier, sont solides, structurées, qui ont accès à de l'argent, bien, dans une situation de crise, il y en a une malheureusement j'oublie leur nom, je pense c'est Manoir des Trembles, ils m'ont envoyé quatre pages en disant on a parlé à 127 personnes ou quelque chose comme ça là, une grande quantité puis dit voici ce qu'on nous dit puis ce que la ville devrait faire, c'est extraordinaire là. Puis là, moi, quand nos fonctionnaires nous disent voici ce qu'on devrait faire, moi je lève la main puis je dis ok, vous avez raison sur 80% des, des choses, mais je pense qu'il y a ça qu'on oublie là. Fait que la, la participation citoyenne puis les outils de participation citoyenne là, euh, deviennent en situation de crise exceptionnelle. Là, je, je, on, on l'a vu dans Tornado, on l'a vu dans, les, dans. Puis je dis, outils de participation citoyenne, c'est devrait peut-être dire la société civile parce que. Tu dans le Gétami ou, ou Moisson-Outaouais, Moisson-Outaouais, c'est un bon exemple. En situation de crise, là, le premier téléphone qu'on fait, c'est Moisson-Outaouais. Les gens qui ont faim, qui n'ont qui pas accès à l'épicerie, qui euh, sont en dehors de leur maison, hein, qu'est-ce qu'on fait? Euh, fait que la, la participation citoyenne, c'est un outil de résilience aussi. Parce que quand, quand le malheur frappe, on a des gens... qui. Qui aiment leur père quartier, qui le connaissent, qui, qui se sont mêlés de toutes sortes d'affaires, sont capables d'aller aider le voisin parce qu'on les a structurés quand ça allait bien. C'est pour ça que c'est vaste. Là, là. C est, c est cons... Une des choses que mon, mon père dit beaucoup, qu'il dit en, en coopération internationale, puis ça applique chez nous, c'est qu'il faut consolider les pouvoirs locaux. Tu sais, quand lui il a travaillé beaucoup au Rwanda après, les, après le, le drame terrible de, le, du génocide. Euh, puis, ce qu'il disait, c'est que l'avenir est dans les communes. Si, dans, sur chaque colline, les gens apprennent à travailler ensemble, se connaissent, se, se, il y a peut-être de l'espoir pour l'avenir, euh, d'espèce de, de réconciliation après quelque chose dont, dont on ne peut pas imaginer. Moi, j'ai visité, là, puis je, on ne peut pas imaginer l'ampleur de ça. Euh, peut la, la consolidation des, de la, des outils de participation citoyenne, que ce soit des partis qui sont simples et intéressants ou des associations de quartier. Pour moi, ça, ça nous consolide, quoi qu'il arrive, à Gatineau. Le temps file quand même rapidement. C'est agréable de, de discuter avec vous. Euh, à l'époque où j'étais journaliste, on avait toujours le reportage qu'on pensait faire. Le soir, celui qu'on faisait. Et le lendemain, celui qu'on aurait aimé faire. Est-ce qu'il y a des choses que vous changeriez dans votre livre aujourd'hui? Ah, ça, c'est une question que j'aime pas, ça. Parce que, <laughs> que l'autre question, c'est est-ce que l'encre va encore couler? Oh, euh, ben ça m'a vraiment donné le goût. Là. Quand je l'ai eu dans, dans les mains, là, je me suis dit, mais vraiment, ce sentiment-là est, est puissant parce que c'est une partie des choses que je répète, puis je répète, puis je répète. Puis là, je me dis, je les inscris dans la durée grâce à, à un livre comme ça. Euh, oui, il y a des y a, juste la fiscalité municipale. J'aurais voulu faire un long chapitre juste là-dessus, euh, sur la réforme des villes, en fait, plus en profondeur, mais ça… Ça s'éloignait de, de ma ligne principale. Là. Ça fait qu'il y a des choses où c'est sûr que ça me donne le, le goût d'écrire pour, euh, pour l'avenir. J'ai aussi un petit projet, là, je ne sais pas encore si je vais le faire, mais de récits de voyage. Là, euh, on a un peu parlé de. de, 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 de la Mongolie. Mongolie. J'ai écrit à l'époque ce que j'avais vécu dans différents voyages, mais je ne sais pas si ça intéresserait les gens tant que ça. Là. <laughs> mais là, en ce moment, on a un modèle. Le, le rêve de, du, du modèle municipal, la réflexion derrière tout ça, parce que. Il y a une grande partie intellectuelle oui, oui. de réflexion profonde sur les philosophes oui. et, et la façon de voir les choses. Oui, puis ça, je, je trouve que c'est une partie qui est importante, qui est un peu plus aride, plus éloignée de la pratique, moi, je, mais qui est nécessaire. T'sais. Je trouve que quand on se trompe dans les grands principes philosophiques, là, bien, ça finit mal sur le terrain. Là, quand on ne prend pas un angle. Euh, pour ça, je trouvais intéressant, de, notamment sur le rôle des villes, de, de définir un peu plus euh, théoriquement ce que c'est, mais ce n'est pas la plus grosse partie du livre, mais elle est intéressante. Fait que, oui, ça me donne le goût d'écrire, mais c'est du travail, ça. ça fait que je, 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 je. Vous semblez, je pense que vous allez avoir le temps d'ici quelques mois. Oui, avec mon téléphone qui sonne, je ne sais pas si je vais avoir tant de temps que ça. <laughs> Parce bon. que là, j'ai trop d'idées, puis j'ai des gens qui me parlent de toutes sortes de choses. Ça fait que je... Je vais me prendre le temps de réfléchir pour faire les bons choix, mais un des choix, ça pourrait être à d'écrire. Le temps file. Je pense qu'on arrive à, à la fin déjà. Euh, je vais vous demander de la commenter parce que je l'ai ai bien aimé à, à la fin. Une citation de Richard Desjardins On a du pain sur la planche, fait que pas une toison de tranche. Oui, c'est ça. C'est un de ces de. Parce qu'il y a des belles chansons, Richard Desjardins, mais il y a aussi un recueil de poèmes, là, puis c'est là-dedans où j'avais eu ça. Euh, puis je trouve que c'est ce que c'est le message principal aussi c'est la participation citoyenne ça marche c'est pas facile pour les institutions c'est pas facile pour les politiciens mais ça marche tellement qu'il faut qu'on s'en prenne chacun tranche si on veut améliorer notre ville puis améliorer notre communauté puis euh, puis notre avenir l'avenir de nos enfants vous avez certainement on vous entend parler puis vous l'aimez votre ville êtes-vous satisfait quand même de ce bilan là de ces 12 années au total oui oui oui, moi je je, je, je dirais que j'ai fait mon possible puis puis j'ai fait euh, tu sais ma, ma mère dit toujours euh, le principe quand tu vas en visite là, c'est qu'il faut que la maison soit plus propre quand tu pars que quand tu arrives. <laughs> Donc tu as contribué là à, à, un petit peu puis puis je, je suis convaincu que j'ai fait ma part en tout cas, j'ai certainement fait tout ce que je pouvais. Euh, mais c'est jamais fini en politique. La, la prochaine personne va avoir bien de l'ouvrage à faire. Il y a toutes sortes de domaines où on n'est pas, on est loin d'avoir tout réglé. Puis mon petit doigt me dit que quand la prochaine personne va partir, ça va être la même affaire. Il va en rester à améliorer. Mais l'idée, c'est de contribuer du, du plus qu'on peut nous-mêmes. Puis euh, moi, je suis assez content de, de, du, du travail qui a été fait. Maxime Pennaud-Jobin, ça a été un plaisir de rencontrer l'auteur, mais on n'a pas été capable de dissocier le maire, vous comprenez quand même. Alors, on vous souhaite bon succès. Ben, merci beaucoup et la continuité aussi de passer de la ville à la cité pour euh, la suite des choses. Alors euh, je remercie les gens qui nous ont suivis au cours de la dernière heure et surtout encore une fois merci monsieur le maire de cet entretien. Oui. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt.